m'appelle Pachol. Michel Pachol. J'ai été découvert dans cette ville. On me dit souvent que j'ai un physique d'apéritif. On me prend pour un blaireau car j'aime le tuning et que ma femme a des bleus sur la truffe, mais je travaille depuis 3 ans sur les règles constitutionnelles fondamentales de Saint-Étienne. Je suis monté à Paris pour les déposer au Parlement et je vais montrer au monde entier que je suis pas la moitié d'un con. J'ai rien à la foutre, moi, ce que je donne, moi. Ce que je donne, c'est quelqu'un qui a envie de donner. Excusez-moi, vous êtes Michel Pachal? Ouais. Trop cool. Oh putain. Ah, regarde là, la salope, elle veut une pacholine. On se fait un selfie? Ouais. Ouais, c'est long ça. Tu t'appelles comment, ton petit prénom? C'est Charlotte. Charlotte? Charlotte comme le prénom? Voilà, comme le prénom. Regarde, c'est ton mec là, Michel Jonas là? Ouais. C'est bon ça? T'habites à combien? Bah juste dans l'immeuble. Tiens, t'as qu'à rentrer chez toi, je m'occupe de Pacholine. Yo. Pardon? Ouais, bon, bah... Bon, allez, je vais où? Salut Michel. Bonsoir. Salut, connard. Comme je dis souvent, avec une bonne maîtrise du judo, on peut déjà bien complimenter une personne invalide. À cette occasion, je vous rappelle les 7 règles fondamentales des lois constitutionnelles de Saint-Étienne. À Saint-Étienne, regarder une femme dans les yeux sans avoir une bière à la main est illégal. À Saint-Étienne, le mec qui sait dire la phrase « Je pense que ça peut se régulariser de façon concomitante, c'est un gerbé !» se voit délivrer une carte de presse. À Saint-Étienne, si t'arrives à doubler le maire en marche arrière sur autoroute, t'as officiellement le droit de baiser sa femme. Je considère personnellement que toute personne qui peut bander après 18 heures doit être officiellement déclarée comme étant forain. À Saint-Étienne, on a le droit de crever les pneus de sa femme quand elle a ses règles. À Saint-Étienne, tu dois baiser le jour de ta communion. À Saint-Étienne, tout ce qui se passe à la Jonquera est déductible des impôts. Oh, regarde ça, le clodo. Max Mara. Max Maras, ouais. Allez, s'il te plaît, juste une petite bière, quoi. Michel, dégage. Hein. T'as intérêt de dégager. Hein. Mais tu mets juste une petite bière. Alors, Michel, toujours cocu? Ça veut dire oui. La gueule, Michel. Ah ouais, c'est bon, c'est fini, j'en ai oublié de la prochaine. Tous, apprenez. J'aime pas Paris parce que tout simplement toute la journée c'est oui, pourquoi pas, éventuellement, non, éventuellement, non.
Moi j'ai envie de dire non, il n'y a pas d'éventuel meurtre. Moi si à un moment donné t'as envie de baiser ma larde, si vraiment t'as envie de donner le paquet, si t'as envie de donner ta fierté et que t'as envie de la servir à la science, là t'écartes le merdier. Ça m'entend là? Ça fume bien ici quand même. Je cherche un coin pour épicer. Le problème c'est qu'à Paris on peut jamais péter. Ils m'ont compris. Mais moi je connais mes petites combines, les petites combines à Saïd, comme on appelle ça à Saint-Té. Saïd ou le balèze? Saïd ou le gars? Saïd ou le balèze? Alors regarde ça. Ça c'est les coins putains ça. Ça je vais y pouvoir sortir le chibre. Et je peux dire que ça va épicer toute la sauce. Regarde ça, ça fume des grands clopions, mais t'inquiète pas que le cigare il va sortir. Ils m'ont compris là-dedans. Bonsoir.